On aurait pu dire, bah, cette semaine, il a fait potentiellement très chaud dans toute l'Europe, dans tout le monde, je sais pas exactement, j'ai pas trop suivi. Et du coup, peut-être qu'on a été un peu moins enclin à scrim, on voulait être un peu plus léger, peut-être que la map donnait pas envie. En attendant, là, la brèche était juste un push, peu importe la map. T'avais un setup classique avec des DPS derrière à protéger, dans un push, dans un endroit assez exigu. T'as pas réussi, là, c'est purement de l'out. Voilà. La haute level, genre là, il n'y avait pas excuse de scrim, de strat ou autre. Là, c'est juste vraiment en termes de niveau de jeu pur. Non, mais exactement, tu le. En fait, tu voilà, t'as tout bien expliqué en fait, ce que je veux dire, c'est ça. Attends, par contre, tu as vu le spawn des attaquants? Tout à fait. Enfin, enfin le cheddar. On est sur du fromage. Là, ça va Là. spawn B. Et là, je veux voir 15-0 qui tape la porte et qui court sur B1. Ah Et on là me là. bloque ce pont et on trêve. Et là, je veux voir. Oh, le bon 12 ans d'âge, le bon 12 ans d'âge qui arrive, ça c'est bien, ça fait plaisir. On a 4 berserkers, 5 berserkers dans la première rota. Voilà, et là Ah attention, parce que ouais, on n'a pas de là faute, on non. s'en bat les couilles, on n'a pas de shield, on s'en bat les couilles. Mais c'est là où côté Odins, on va devoir voir très très vite, on va devoir monter sur sa muraille, prendre cette info et rotate toutes les unités très vite et voir si on arrive à prendre la setup relativement tôt. Mais là, Love and Devotion, enfin, on tente quelque chose, on Par se contre. sent peut-être en dessous, bah, comme on l'a dit individuellement et mécaniquement. Du coup, on essaye de jouer mieux sur la strat. On a deux doubles lames, qu'on va plutôt jouer sur l'ouverture de porte. Clairement, mais par contre, Dova il a pas d'influx. Qu'est-ce qu'ils font en triple T4? Je ne sais pas, mec. C'est terrible tout de même, Dova. On craft là? Non, mais là, attention, parce que alors là, je vais voir si ça se coûte très très vite. Hein. Je vais regarder immédiatement. Allez, 15-0, courez, courez à cette porte. Oh là Ils l'ont là. vu, ils l'ont vu, ils l'ont vu, ils l'ont vu, c'est vu, identifié. Il trêble la porte pour la péter plus vite. Ah Ah ouais, ouais, ça non, non. rotate très très vite. Ça rotate très très vite. Bon, attention, parce que là, peut-être que dans la précipitation, qu'on a été trop trop lu et trop trop. Oh, bon, ça a très très bien rotate. Hein. Ça a sans doute même trop trop bien rotate La côté porte Odin est. Sejan. Si. Si un life, là ce Yep. serait le moment d'essayer de. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de casser des chevilles côté Love and Devotion? Parce que là y'a vraiment plus rien sur A. Hein. Là Non, mais tu. le problème. Ouais, mais là, oui, le problème c'est là, encore une fois, quand on le voit, la brèche n'est pas pétée, la porte n'est pas pétée, le trajet est plus long. On ne pourra pas casser des shields. La seule chose qu'on va casser pour l'instant, c'est sa propre nuque. Côté Love and Devotion. Moi si tu Parce veux. que. Moi y'a quand même un truc que je me demande à Stas, c'est pourquoi y'a pas des mecs. Tu vois les échelles à droite de la porte de la porte là? De la porte de B, pourquoi y a. Enfin, en fait, je veux dire que c'est compliqué à mettre en place. Attends, mais le push ça commence et je t'expliquerai après ce que j'ai en tête. Ouais. Bah, Ça Battle commence Rap, bah directement maintenant. s'il Bah, faut en de parlant l'avance. justement d'optimisation des échelles, on a vu tous les Berserkers là et des MK qui sont montés directement. Appuie sur Tab, regarde les kill units! Ah oui, là, c'est. Mais Toi qui qu'est-ce viens que de c'est que réappuyer sur ça? Tab. Ah, il Bah, y a eu un. ils appuient ça, c'est un Alors. dommage, la Devotion s'est fait déchirer! En fait, là, le problème qu'on a, bah, c'est l'idée de base. Encore une fois, c'est comme bien souvent. Et là, on sent sans doute que c'est des équipes jeunes avec un leading jeune. Bon, le push est mort, on va passer là-dessus, on va attendre qu'il se reset up. Parce qu'on voit que ça va dive dans les Namcan, ça va cligner les murailles. Ouais, Love and Devotion avait une très bonne idée de base. Voilà, aller sur B et tout, trêve la porte, très bien. Odin's Legend a très très bien lu le move, à Ultra Tight, encore mieux. Maintenant, Love and Devotion, là, leur gros problème. C'est qu'ils ont voulu bah, aller au bout de leur idée et tenter ce push. Le problème, c'est que bon, leur cache, Ils là, ça monte en stream. connaissent pas le spawn, ils connaissent pas le spawn, regarde les mecs ils respawn sur le spawn. Ouais. Oui, bah là, du coup, ça va essayer de sponsoriser. Mais là, Tierkash, je te laisse, tant qu'ils pètent l'autre porte, montrer, tu sais, A et B, tu sais, le niveau des portes. En fait, on voit que sur A, on peut prendre beaucoup d'espace, c'est beaucoup plus large. Là où sur B, c'est littéralement une rue et où les deux côtés sont surélevés. Et en fait, on l'a vu, parce que là, en fait, Odin's a littéralement pris les deux côtés sur les hauteurs. Et à bombarder avec les DPS qui étaient encore dans une choke, mais beaucoup plus étroite que sur A. Donc, push là-dedans, c'était littéralement juste Du s'empaler, suicide, encore c'est du plus que sur A. suicide. Mais en fait, le vrai problème, c'est que tu le dis très justement. C'est un jeu, c'est du PVP. Le plan, c'est bien, mais le plan, faut l'adapter en fonction de ce qu'on voit en face. Et c'est à ça que tu reconnais les bons choix de color. Bah, C'est que. clairement. Enfin, je veux dire, et là, pour moi, il y a eu un très. Comme tu dis, il y a eu un très très gros problème côté Love and Devotion. Mais tu vois, moi, par exemple, ce que je disais, tu vois, les échelles à droite de la porte. Quand tu vois qu'il y a ça, quand tu vois qu'il y a une réaction massive de Odin et Jhin qui arrive à 15 à la porte B. Pourquoi tu fais pas escalader genre 5 unités et que tu fais en rotate permanente entre A et B sur les murailles? De façon, encore une fois, dans ces cas-là, t'as un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que t'as 15 mecs en face de toi à défense contre-attaque, à moins que ce soit des bots en face. Défense contre-attaque 15 contre 15, la défense aura toujours l'avantage puisque la défense a le positionnement. Bah, dans ces cas-là, c'est quoi à ce moment-là ton objectif? Ton objectif, c'est d'étirer cette défense de façon à provoquer un out-rotate, de façon à pouvoir provoquer un 15v12 ou quelque part.
Et donc du coup le seul moyen de faire ça c'est quoi? C'est de commencer à faire des gauche-droite, comme d'habitude. Et donc du coup juste envoie 5 mecs sur ces murailles, tu fais gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et si jamais les mecs ils rotate pas, bah tu vas prendre Afri avec 5 gars. Tout à fait. Et ah ouais, moment... la citadelle c'est... Ah il y a une rotavie qui est en partie. Bah ouais, bon là on voit en plus le Love Devotion. Bon je vais taper sur ta vie pour leur compo. Donc là ils ont été vraiment 3 cadavres de sortie du Berserker. Un loup et une coco. Le problème c'est que 3 catafractaires, j'ai très très peur que littéralement ils chargent... Ils chargent littéralement sur A. Avec toute leur infanterie, que ça fasse un gros pack et qu'il y ait littéralement 3 catafs qui prient pour traverser le fight et. Et ça se fait démolir dans la brèche, regarde directement les cocos qui. Les cocos d'Odin Dungeon qui défoncent tout ce qu'il y a dans la brèche du côté Love and Devotion. Pareil, les cocos au niveau de la porte, pareil, qui empêchent Love and Devotion de se mettre en place correctement dans la porte. Ah, c'est surtout que, comparé à Love and Devotion, là côté Odin, ils push en fait les chokes. On les laisse pas sortir de la choke et prendre de l'espace, on les maintient en cette choke et on envoie les DPS. Et là, bah à la brèche, encore, c'est un carnage. Oh les siphos, oh, les siphos, oh, la sifo sur la hauteur à la porte, couvert par les lanciers impériaux. C'est malin, ça, le setup est bon, le setup est très très bon, la marge de piqué qui permet de tout mettre au sol. Et là, on va juste pousser jusque dans les DPS là. Là directement, Ruffel très justement qui dash in. On a les catafractaires qui arrivent pour essayer de temporiser un peu le push dans les DPS de la part de Odin Dungeon. Mais est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr de ça. Non, on a trêve la brèche, mais Odin qui a très intelligemment juste reculé, voilà. On a pris aucun trêve, on surveille bien le ciel. On est littéralement meilleur sur tous les plans à côté de Odin's Legend, il y a aucun débat. C'est un no-match. Ah, on a peut-être eu un... Non, mais... C'est quoi là, un autre exemple là, vous voyez les ulti épée courte qu'on vient de voir? Un ulti épée courte dans 3 modes AO? Pourquoi? Quand vous faites une action, faut toujours qu'il y ait un but à gagner de cette action. En fait, les cooldowns, les capacités, tout ça, faut voir ça comme des ressources. Quand vous dépensez une ressource, absolument gagner quelque chose. Les catafs sur le point A, ouais, je vois. Mais directement, on a des modes AO qui arrivent. Ils ont rasé les sifos, le problème c'est qu'ils vont être arrêtés. Et là en fait il y a les autres katas qui vont arriver là, à côté d'Ova. Et là on va se faire... Là c'est fini hein. On se setup pas trop on mal push. Côté Love and Devotion, on tente. Mais on a un énorme setup côté de Nice Legion déjà. On l'a dit, l'attaque normalement ils sont censés donner un tempo, ils ont l'avantage des unités et du refill. Là les sifos qui tirent directement dans les anciens impériaux. C'est pas mal, là Love and Devotion c'est pas mal, mais attention. Ils sont trop loin, regarde, ils pourraient atteindre tout non. Ce qu'il y a. Ils sont trop loin. Ouais, mais en fait, ils ont peur, je pense, de se faire dive dedans et ils vont déjà raser les tables. Qui est un. Ok, tiers. Je te l'accorde, on aurait pu grid un peu plus et s'avancer. Bon, là, ça va être intéressant de voir. Oh, les claymores directement qui arrivent sur la droite du push attaquant de la main devotion. Ouais, la cavalerie qui arrive sur la gauche. On a une belle charge de cavalerie. C'est des rimes en fait. Mais directement intercepté. Là, on a un peu bourriné dans des forteurs F1 de là où Odin Legend doucement quand même. Ouais, il aurait peut-être un peu perdu son sang-froid, mais attention, on envoie les loups. Et la marge de piqué qui couche très haut, la belle marge de piqué. Avec, couvert directement par une charge de papy, on va jusqu'au bout, ouais. On a les veneurs directement qui font. Je commence à mettre du dégât dans le setup de là, il n'y a plus beaucoup de forté, là, nouvelle charge de cave, attention, parce que dans la mêlée générale. Oh là là, et là ça passe, et là ça va au bout, et là ça va au bout, et là ça va jusqu'au bout, c'est ça mon petit. C'est là qui était clutch, et du coup, je sais pas si c'est Lionheart ou Mist du coup. Lionheart. J'ai aucune idée duquel c'était des deux, mais c'était très bien joué. C'était globalement très très bien joué. J'aurais tendance à dire Mist au vu de ses 94 kill units. Possiblement. Comparé à Lionheart, tu en as un, tu vois, j'ai du mal à croire qu'il ait pris qu'un seul kill units. Ah oui, non, c'est pas Lionheart. Donc c'est Mist qui l'a littéralement. Je ne ferai pas la blague. Mystifié? Tout à fait. C'est beau, il l'a. Le trèfle qui est pas mauvais, Odin's Legend. Bon, ça punit relativement bien. Bon, il reste une minute. Hein. Là, on va pas se mentir, ça a été en mode. On met des smiths sur le point, on tempore 15-0 et la game. Là, du côté Odin's Legend, on veut juste maintenir les Love and Devotion le plus loin possible du point A. Alors qu'on a la cave qui revient, on veut juste les maintenir le plus loin possible du point A. Mais par contre, ce qui est extrêmement grave, c'est que je confirme que. Attends, alors qu'on retourne côté B du côté Love and Devotion. En tout cas, ça vous pas vaincu. Il reste 30 secondes, ça paraît technique, mais bien joué à lui, ça vous pas vaincu. Mais la rotation a directement été lue, on a directement 7-8 Odin Legend qui sont directement là pour les accueillir. Ah bah là, ils savent, hein. De toute façon, il n'y a plus longtemps à tenir, c'est gratuit. Hein. Moi, je mets ma main à couper que Love and Devotion connaissait pas le bug de respawn. Honnêtement. C'est pas possible de mettre aussi peu de rythme en connaissant le respawn. C'est possible. Parce que, bon, autre exemple, certain, tu vois, leur push de B qui est complètement foiré. La raison pour laquelle ils font de la merde, c'est incroyable. Les sifos qui clapent, voilà. Sur le push de B, si vous en souvenez, au début, en fait, ils arrivent pas à mettre du rythme. Pourquoi? Parce qu'au lieu de mourir, tous les héros qui étaient sur les murailles, ils ont sauté des murailles comme si c'était une ranked parce qu'ils voulaient gérer leur KDA pour aller au supply de B pour sortir des nouvelles unités. Alors qu'à ce moment-là, messieurs, si jamais ils se suicident tous en groupe, tous en pack, et qu'ils vont arracher le plus possible d'exotiques
du côté d'Odin et Dejan, et que du coup ils meurent tous ensemble, ils s'attendent, et ils respawnent à 15 sur le respawn du milieu de façon à popper devant la porte de A, je vous garantis qu'ils outrotate Odin's Legend tous les jours. Tous les jours. Mais là, on sent que ça n'a pas été assez bossé. Parce que là, littéralement, il fallait aller au bout de la démarche. Quand ton push comme ça, il est foiré et que tu t'es fait éclater, bah c'est pas grave, tu vas au bout, tu commites, tu arraches le plus possible de DPS et d'exotiques avec tes héros. Et là, on a vu des cocos qui étaient pépousses, doigts de pied en éventail, des Siphonaros tranquillou avec une pina colada. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Non. Oh, Emi, c'est un premier au dégâts infligés de son équipe. Hein. Cette charge de Katav, je peux t'assurer que elle a littéralement balayé les derniers espoirs de Love and Devotion, qui tenaient pas trop mal dans ce push-là. Mais cette charge de cave, là, c'est... C'est vrai, clairement. Ah, là, elle a tout terminé. Hein. C'est... Bon, bah, un 2-0 pour l'équipe qui était vraiment au-dessus. Hein. C'est ça, après, il n'y a pas de débat. Regarde le post-battle analysis, le DEFCON, tu vois, il y a eu... Le deuxième trade, quand même, et c'est là où on voit, vous voyez la pike bleue là, le spike bleu à cet endroit-là. Là, moi, je mets ma main à couper également. On met deux mains à couper ce soir, hein, on se mouille. Ouais. Mais que c'est le moment où Odin des Jeunes a pété un plomb et a commencé à bourriner les caves dans les fortés comme des malades. Hein. Parce que là, à ce moment-là, je suis désolé, ils ont quand même balancé. Ok, au bout d'un moment, il y a un cataf qui passe, mais ils n'avaient pas besoin de balancer leurs trois caves avant pour ça. Hein. Ouais, non, là vraiment, je sais pas si on a cherché à s'amuser ou quoi côté Odin's, ou si on a un peu relâché le focus, mais c'était globalement un très mauvais move, je vais y arriver, pardon à tous, waouh! Et j'ai encore rien vu, hein! Un très mauvais move, et voilà, bah. J'avais pas vu, regarde Light, probablement Light trop occupé avec le double vocal. Il a pas su se concentrer assez dans la game, je pense. Ah, mais je comprends. Mais voilà, bah. Comme quoi, hein, mauvais move. Alors pas puni par le Vendée.